Vous avez vu, il est en short. Ouais, je m'en bats les couilles. Il a raison, mais t'as raison. Mais t'as vraiment raison. Là, j'ai vraiment pas la force d'immobiliser une semaine. Ça va, tu t'amuses? Frérot, je suis là à jouer. C'est dur, ouais. Franchement, c'est pire que Mario Kart. On devrait être un petit gamer maintenant. Non, vraiment. Moi, le seul gaming que je faisais, si c'était à l'époque, les jeux d'arcade. Tu te rappelles, Fouf, quand on allait la tête dans les nuages à l'Opéra? Attends, t'accélères avec le vrai accélérateur? Ouais, bien sûr. T'imagines, la voiture, elle se met en drive. T'imagines, je casse tout là. Là, à tout moment. Salut. Là, à tout moment, ça peut partir en couille. Il suffit que ça soit une plaide, frérot, on casse les murs. Bon, on va arrêter parce que les gens ils vont croire qu'on travaille pas ici. Mais c'est vrai qu'on travaille pas ici. Ouais, c'est pas une chaîne gaming. Vas-y, on va arrêter. Vas-y, c'est pas grave, recule, voilà. Fais ce que tu veux, vas-y. Arrête-toi, ça suffit. En fait, ah là, ça y est, il est en pause, quitter, voilà. Voilà, on va quitter. On venait pour... vous avez vu, c'est les nouvelles Tesla Model 3, assez sympathiques, assez atypiques. Moi j'aime bien les nouvelles. Qu'est-ce que t'en penses, Fouf? Les nouvelles gueules, moi j'aime bien. Perso, j'ai du mal. Ah, moi j'aime bien, je sais pas. Facelift, hein? Ouais, c'est vraiment un facelift. On refait les modèle 3.5. Les logos. Les logos, mais moi, c'est ce sympa. Ce qui me choque le plus, tu sais, c'est quoi? C'est quoi? C'est tout con. C'est le petit Komodo. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus le Komodo. Ils l'ont retiré. Ouais, c'est vrai. J'ai du mal. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus le Komodo. Faut tester. Deux produits. Donc ça, c'est un produit que je connais depuis Delus, même Fouf, il connaît que ça. Que les depuis... anciens. Ouais, vraiment depuis Delus. Ouais. Et j'ai eu pas en mal plus, de... En plus, t'as pris le Express. Express, parce qu'on n'a pas prendre... le temps. T'aurais pu prendre le normal. Non, parce qu'on n'a pas le temps. En fait, si tu veux, je voulais le tester depuis très très longtemps, mais à chaque fois, on n'y pensait plus, voilà. Il y a pas mal de produits que je pouvais faire, tu sais, notamment chez Action, oui, et tout ça, mais John le fait déjà, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Mais j'ai eu une grosse demande de produits, de produits un peu atypiques. Je vais pas en faire la promo, j'en ai rien à foutre, mais on va voir par rapport à ces deux-là, même si ça, c'est un décontaminant ferreux, mais c'est un nettoyant jante aussi. Il faut savoir qu'en nettoyant jante pur, il en existe. Ou nous, on utilise celui-là, qui fait nettoyant jante et décontaminant ferreux. On va aller le tester sur une voiture. À gauche, on va mettre celui-là, à droite, on va mettre celui-là. Et on va voir qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça fait dans le temps aussi. Parce qu'est-ce que sais. Ça Moi, je sais ce que ça fait. Les prix, on va comparer les deux prix, voilà, et savoir est-ce que la finition, elle est pareille ou pas. On va voir ça tout de suite. Bon, on va tester sur celle-là. Non, je rigole. T'imagines. T'imagines, on teste sur ça, là, frérot, là, Ah, c'est pas grave, je vais appeler le mec, il va peindre sur place. Ah ouais? Il va te le peindre direct? Ah, ça y est, il te le fait. Ça va être beau, tu vois, ça... En fait, elle a juste un petit truc, mais vu qu'il est très méticuleux avec ses voitures, il faut qu'elle soit parfaite. Ça mérite pas de refaire une jante dans l'entrée. Non, 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 ça mérite pas. Ça mérite pas d'immobiliser si c'est... Vous avez vu, il est en short. Ouais, je m'en bats les couilles. Il a raison, mais t'as raison. Mais t'as vraiment raison. Là, j'ai vraiment pas la force d'immobiliser une semaine de jante et c'est bon. S'il se foire, on sera obligé d'y aller, mais pour l'instant... Bah c'est oui, ça c'est sûr. On peut l'éviter. Donc, ça va pas être sur celle-ci, ni sur ceux-là que je vais vous montrer, ni sur celle-ci. Elle, la belle et magnifique Venturi. Frère, t'as vu comment ça change? Elle est belle, hein? Elle est vraiment magnifique. Moi, je trouve ça sublime. Bah, après, Venturi, on connaît. La pièce. Tous montent en lieu et place. Et regarde, jusque là-haut, où t'as. D'accord! T'as ça aussi qui est avec. Même moi, je l'ai su après une fois que j'ai. D'accord! Putain, pas mal! J'ai vu le package. Mais en fait, c'est étudié pour. C'est ça. Ça change pas le bruit, par contre. Mais. Je sais pas s'il y a un. Il y a un gain. Mais mon client il m'a demandé aussi pour son XM. D'accord. Tu vois, il y a un gain de 30 chevaux apparemment XM. Ça me paraît énorme. Ouais, ça doit être pas mal, hein. 30 chevaux, ça me paraît énorme. T'as rappelé le bruit que ça faisait déjà? Ah, de ouf. Pour un petit lavage qu'on avait déjà fait, lavage intérieur-extérieur, et ma voiture où on dessine des... Une merguez. Ah frérot, c'est la merguez poilue. Et en plus, pourquoi les gens ils font des bites poilues? C'est pas ça se trouve, elle est pas poilue. Pour moi, c'est pas un zub, hein. Frérot, il est épais. Moi, c'est quelqu'un qui a un bonnet, qui a un grand front et c'est doux. Ah. Non, on voit pas avec la lumière. Désolé. Mais là, c'est vraiment incroyable. Donc, comme je vous avais dit, redémontage de ma voiture pour refaire les parties qu'on bulait avec la céramique.
Donc il va avoir quelques parties à refaire. Mise à jour. On va pas la refaire complètement, mais on va essayer de... qu'elle soit le plus parfaite possible. Même s'il y a un covering, on sait, ce n'est pas parfait. Z8, je sais pas si on l'avait... Si, on l'avait déjà filmé. Si, ouais. On a des jantes aussi par-ci par-là qui sont en protection. Et on va aller tester ça tout de suite, le fameux produit. La pêche au canard ? Bah, il faut amener à la pompe qui va au bac de récupération d'eau, parce que recycler l'eau, c'est très important. Exactement. On va tester tout de suite. Donc ici, on va faire le décapour et de l'autre côté, on va faire l'iron. D'accord ? Alors, toujours bien secoué. Agite. Au bruit, je pensais que le bouchon il était mort. Non, mais moi je croyais qu'il fallait, tu sais, enlever un truc. Ah, non, il n'y a pas de sécu. Il y a prêt à l'emploi. Oh yeah. Come on, everybody. Allez, vas-y. Je sens bien à l'intérieur. À l'intérieur aussi. À l'intérieur des jambes. On charge. Là, faut charger. Charge. Hein. Là, faut charger. Est-ce qu'on peut l'utiliser sur les pneus? Chargé comme jamais. Oui, ça va dégraisser. Parce que à la base, ça c'est pour faire quoi? Pour nettoyer ton four. Exactement. Et pour dégraisser du coup. Exactement. Donc là, le pneu, ça va dégraisser. La jante, on va voir. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, nous, on connaît déjà le résultat. On va pas faire un suspense. Moi, mais on monte en direct. Personnellement, moi, donc mode d'emploi, c'était pas pour ça que je vais utiliser. Tous les enfants à l'écart, bien sûr. Donc astuce pour vos fours, préchauffer. Donc là, on peut pas préchauffer, sinon rouler avant. Laisser agir au moins 5 minutes. 5 minutes? Oh, je vais pas laisser agir 5 minutes quand même. Mais est-ce que tu fais une action mécanique? On fait rien. Là, on va faire sans action mécanique. Ok. Après, au pire des cas, derrière, on fera avec action mécanique. Tu sais, on va essayer de varier les plaisirs. Bah oui. Tu vois, les plaisirs carrément. Carrément. L'autre, il prend un plaisir monstre. Au bout, on va dire quoi? D'une petite minute? Ouais, voilà, tranquillement, tu vois. On voit déjà sur le pneu. Ça marche bien. Ça a l'air de faire quelque chose. La jante, il y a encore de la mousse. Pierre qui roule. N'amasse pas mousse. T'en vas à la cruche à l'eau. À la fin, il y a de la mousse là. Tu vois, là, il y a de la mousse. Sur celui-là, il y a de la mousse. Merci Dominique de nous avoir prêté un véhicule qui n'est pas en vente chez eux. Sur celui-là, il est là juste. Je sais pas, mais le jour qu'il va me le confier, je vais lui dire. Zabi. What? Voilà. Donc, on va laisser agir. Je pense que tu peux. Tu peux rincer. Tu penses? Là, ouais, c'est la température faire, ouais. À point. Là. On y va? Allez, c'est parti. On commence par les pneus. Pour les pneus, c'est pas mal. Le pneu. La jante. La jante. Après, vu comment elle était, on va dire, c'est beau. Ouais. Maintenant, on va tester un vrai produit pour les jantes. Dédié à ça. Dédié à ça. Parce qu'il y a des produits, on va dire, zigzagueux qui passent. Une belle Mustang aussi qu'on a là. C'est vraiment magnifique. Oh, j'ai failli tomber. Je sais pas si il y aura la VAR sur la vidéo. On verra. Alors, par contre là on peut pas le mettre sur le pneu directement. Tu peux, celui-là aussi, mais bon, ça sert pas trop grand chose. Charger sans charger, tu vois, je sais pas. Il fait déjà le taf, hein. Bah on connaît. Tout le monde connaît. Tu connais. En fait, tu sais que je peux faire 20 fois la vidéo sur l'iron, on me demandera toujours, est-ce que t'as pas une vidéo sur l'iron? C'est vrai. Mettez la cloche des notifications. Ça, c'est très important, mettre la cloche des notifications. De s'abonner, c'est gratuit. Exactement. On le dit pas assez, j'essaie de vous mettre des petits trucs, tu vois, sympathiques. Tu vois, si la personne n'a pas le temps de voir la story sur YouTube, enfin sur Insta, je veux dire. Ça. Hop, la petite cloche de notification, non, ça fait toujours plaisir. C'est exactement ça. Là, on va faire une petite story parce que la story en live. Des gens aussi sales, c'est rare, tu vois.
Alors là, on est sur une jante qui est vraiment très 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 sale. Donc toujours le petit Iron qui va bien, regardez. Et le résultat juste après, vous allez voir, ça va être assez sympathique. Parce que là, tu vois quand même, on est en train de faire une vidéo en même temps pour un test produit. Voilà. Et moi, je propose, va chercher le pétard et on rince. On va rincer là. Parce qu'on est kiff-kiff. Ouais, une minute vingt. Dans les mêmes temps. Ouais. Tu sais, limite, pour pas avoir les commentaires désobligeants, je vais être obligé de faire des chronomètres. Tu vois, ça va, ça y est, frérot. Tu m'as compris. Eh, j'ai jamais vu une jante aussi comme ça. C'est très rare. Hein. On est sur un cas qui est extrêmement rare. Hein. Oh, j'ai déjà vu du black-black. Hein. Toujours vérifier. La petite buse. Ouais, même sur le pneu, ça marche? Ouais. Franchement, il est un peu mieux quand même. On le voit. Ah, même oui. Si l'autre a fait le travail. Je dis pas le contraire. Mais là, il n'y a pas eu d'action mécanique. Ou sinon, ce qu'on va faire, on va refaire sur les mêmes jantes, l'action mécanique ou le derrière. On fait le derrière? Si tu veux. Allez, vas-y, derrière. Derrière, il y a moins de... Mais derrière, elles sont moins sales que l'avant. Je pense que ça va aller plus vite, plus facile. Si tu veux. Parce que là, si tu frottes... Ah, j'ai même un doute. Il y a moyen. Mais tu vois, compare celui-là, monte celle-là et monte l'autre. Parce qu'il s'en sort déjà très très bien l'autre. J'ai pas le contraire. Hein. Voilà, dans tous les angles. Voilà. Et côté des capfours. Mais il fait le job aussi. Mais tu vois qu'il est un peu moins puissant quand même. Tu le vois. Tu es d'accord avec moi. Mais il n'y a pas eu d'action mécanique. Ça fait le job aussi. Attention, ça fait le job. Je dis pas le contraire. Moi, je fais une petite action mécanique parce que même à l'arrière, je pense que c'est plusieurs fois là. Regarde ce qui ressort. Je peux pas dire le contraire. Il est en train de branler. C'est quoi? On va couper parce qu'on va faire un petit ASMR, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, fouf? Ah, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Ouais. Oui. Donc, on va faire qu'une moitié parce que l'autre moitié, je veux le faire pour l'ASMR, d'accord? Action mécanique, ça fait le job. Voilà. Quasi 80% parce que il reste là, les conneries, tu vois. C'est moi qui l'ai oublié. Mais bon. On sait, on n'a pas coupé pour traficoter ou quoi que ce soit. Ça ne va pas traficoter quand c'est un des capots, je m'en bats les couilles. C'est juste pour la ASMR. C'est ça. Non, on fait ASMR de l'autre côté. ASMR. C'est parti. C'est reparti. Je peux mettre? Je t'en prie. Le petit plaisir. Non, des capots, c'est parti. C'est vrai que c'était à l'époque, on mettait beaucoup de produits avec de la mousse, tu te rappelles? Grave, tout était à base de mousse. C'est vrai que j'ai déjà mis des nettoyants en plastique à base de mousse, mais j'aime pas en tout cas. On va pas dire que c'est de la merde, sinon on va se faire attaquer, frérot. À l'époque, c'était bien. Chaque moment, chaque époque. Voilà. Tu vois, je mets. Là, tu l'as chargé quand même. Attends. On remet pour bien. Ah, il arrive déjà au bout. Je voulais le garder pour chez moi, frérot, il y en a plus. Non, c'est bon. Ça repartit. Ah, voilà. C'est bon. On va laisser comme ça. On va laisser agir le petit jaune, vous avez vu. C'est ça. Croyez pas que je vais insulter les... Bref. Parce que ouais, il y en a, ils vont dire le petit noir, le petit jaune. Ils vont croire que j'insulte les gens, mais non. Mais en fait, j'anticipe maintenant, t'as vu. Bon, laisse agir encore. Même s'il y a du soleil, c'est pas grave. Là, on est sur une température extérieure de 24 degrés. Non, on est bien, on est bien aujourd'hui. Il fait pas très chaud, il fait bien. On prend. Ah eh, c'est un chic, frérot. Ah, mais celui-là, avec cette brosse-là, c'est. Ah, mais il fait le job. Attention. Ah, ouais, mais à tous les coups, t'es repeint. Bon, faut savoir que ça aurait été peut-être plus prenant à l'avant, mais bon. Je voulais vraiment voir le truc brut. Brut de pomme, tu vois. J'adore ce bruit, t'as. Ah, t'as vu la brosse, comment elle est sortie marron? On dirait qu'elle sort de. Oh là 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 là. Elle est vraiment marron, je vais la garder. Vas-y, avec moi. Le pinceau là. Je fais exactement pareil, je l'ai rincé avant, donc il n'y a pas de mélange de produits.
Mais en tout cas, sur le pneu, ça fait le taf. Hein. Même sur la jante, ça fait... De toute façon, comme je l'ai dit, ça va faire le job. Mais... Alors, il y a un mais. Vous comprendrez pourquoi. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous comprendrez. Voilà, alors... J'ai fait le tour de la jante, on est d'accord? C'est ça. Je peux rincer? Là, tu peux rincer. Allons-y. Yeah, pas mal! Il va avoir juste les jantes propres. Il manque. Ouais, mais attends. Taf, mais quand c'est trop prononcé, c'est. Ouais, mais ça fait le job quand même. On va pas. Voilà, mais bien sûr. Hey, attends, oh. On va contextualiser les choses. C'est un produit pour les fours. Donc la graisse. Ça, oui. C'est pas de la graisse. Non. Mais ça fait le job. Et on va rentrer. On va aller à l'intérieur. Je vais vous expliquer les finitions, les trucs, les pourquoi, les comment. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien d'utiliser ça? Tout de suite, d'accord? On se met au frais. On y va. Bon. T'as vu, j'ai fait sur ma jambe, t'as vu comment ça fait bien? Elle brille, hein? Des capours. Bon, qu'est-ce que j'en pense de ça? Réellement, en fait, c'est très efficace. C'est un dégraissant, comme j'ai dit. C'est pas un nettoyant jante. C'est fait pour le four ou le barbecue. Voilà. En fait, le problème qu'il y a, c'est que j'ai un ami, salut à lui. À l'époque, son père, il faisait du taxi, parce que maintenant, il fait plus. Il y a plus de 15 ans de ça, et il mettait ça. Il avait un taxi G7 à l'époque. Maintenant, c'est toujours le haut de gamme, tu vois. Je pense que c'était Decapfour effet du logis. Non, liquide vaisselle. Oh merde! Tous les taxis, amis taxi, vous savez très bien que le liquide vaisselle, le mire, dans le monde du taxi, c'est vraiment... genre, ça brille. Mais en fait, c'est un dégraissant, c'est pareil. Pareil, ça abîme le vernis à force. C'est bien pour dégraisser une voiture, avoir un covering, avoir un truc. Même pour mettre limite avant une cire, tu vois. Mais on n'utilise pas ça, on va utiliser du hard. Le hard, tu vois, ça va être direct. Et en fait, ce qui se passe avec ce genre de produit, c'est que c'est pas fait pour. C'est que le vernis, 20 lavages. C'est agressif. Ça a sauté le vernis. Donc c'est pour cela que je vais vous faire gagner. Non, je rigole. T'imagines? On fait gagner le Decapfour. Decapfour. En fait, la différence de prix, je crois que j'ai payé ça 4 balles et ça 16 balles. En fait, les deux différences que tu as, c'est que tu vas avoir un nettoyant jante décontaminant ferreux et un dégraissant. Concrètement, c'est comme si que demain, je vais utiliser un APC, entre guillemets, et je vais faire ma jante. De ouf. Ça peut le faire, mais ça va pas faire un résultat extraordinaire. On l'a bien vu. Non, ça sera pas... Ça sera pas un résultat comme ça. Bon, là, il y a une couche de céramique. Ah, ils sont prêts, là? Ils sont prêts. Non, il manque la deuxième couche. La deuxième couche de céramique. Alors, on met deux couches de céramique. Ouais, moi, c'est deux couches. Je préfère deux toujours couches comme par ça. Par comme... Après, ouais. Même celle-là, elle pourrait avoir qu'une couche parce que c'est pas comme la Ibiza qui roule tous les jours. Non. La Ibiza, je lui mets là les bornes. Celle-là, voilà, c'est... Donc, c'est le nouvel jante que j'ai... En fait, c'est les mêmes que j'avais avant. Tu vas encore changer. Bah ce set-là, ouais. En 20, je l'ai cherché quand même. Ouais, mais tu te rappelles? Je te connais. Tu vas les mettre et tu vas pas. Et kiffer. On va mettre les 50e anniversaire qui sont là. Que j'ai. Le problème que j'ai, voilà. C'est que vu que sur E90, ça n'existe pas déjà. Donc oui, c'est pas du Made in BMW, ça n'existe pas pour E90. En fait, si vous voulez, le chrome là, bah il a rien à faire chez moi. Donc je sais pas, est-ce que je vais pas me fatiguer pour le cacher tout le signe et peindre juste là? Tu sais, je pourrais me fatiguer, tu sais très bien, je pourrais le faire. Ça me dérange pas. Mais un petit apprenti dessus, au pire. Non, je préfère que ce soit moi. Là, je peux pas. T'imagines, il me fait la bourde et... Non. Mais tu l'as dit. C'est pas de l'original. C'est pas le prix que ça coûte. Non, mais c'est chiant à recommander. Zebi, tant que ça revienne, Amazon, Zebi. Et des fois, ça vient pas parce que le livreur, il a dit qu'il a livré, il l'a pas livré. Il a jamais livré, il a cru que c'était du vrai, il a gardé pour lui. Fatigué un peu? C'est toi t'es fatigué. Pourquoi je suis fatigué? Je suis là, frérot, avec mon Decapfour. Des Decapfour en train de faire toute la voiture. Je vais faire ta Smart avec. Ouais, je vais aller faire ta Smart avec le Decapfour. La vérité si je mens. Je voulais clôturer cette vidéo avec ce cuir qui est magnifique. Cette couleur qui est, mais avoue, c'est vraiment une couleur Tiffany, c'est incroyable. Sexy. En vrai, c'est pas pareil qu'en vidéo. C'est différent. Le bleu ciel, il est vraiment incroyable. C'est un bleu vert d'eau. Sur la vidéo, il ressort... Plus foncé. Plus clair. Plus clair. En vrai, il est plus foncé. Non, il est plus beau. C'est un vert d'eau un peu. Mais... L'intérieur, ouais. Il est incroyable. Non, c'est une boucherie. Donc, nous, on va refaire le cuir juste ici, là, qui est abîmé. Parce qu'il est griffé. Griffé ici, ici. On vous montrera sur une prochaine vidéo le résultat. Donc, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement au niveau des cuirs. Les teintes, on les fait sur mesure. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin,
n'hésitez pas à nous contacter. Et on va finir par la boutique. Tolède a reçu des nouveaux produits. Voilà. La Misto, bah lui... Ouais, pas mal. Okay. Voilà, on est bien. Il est devenu tout rouge, tu sais pas. Non, bah, ça va. Il est aussi rouge que la Ferrari. Alors, moi ce que... faut savoir qu'il y a des nouveaux produits qui sont arrivés chez Autoled, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Et donc, Eulex, qui est venu en boutique. Beaucoup de demandes, c'est un produit miraculeux. Oh, alors là... Celui-là, c'est un produit qui nous a sauvés de situations... Les gars... extrêmes. Ça, c'est... valeur sûre. Valeur sûre à 15 000%. Ça fait plaisir. Il y a le Shiny qui est venu en 1 litre. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Incroyable, c'est trop mignon, plus la déco et tout, j'adore. Franchement, j'aime bien. En fait, moi, tu me laisses dans un truc comme ça, je peux tout prendre, tu vois. Mais je me retiens parce que je suis assez correct quand même. Et on a, bon, comme d'habitude, les produits Endlex, Alta Cuir, Shine. Et il y a aussi le... ils l'ont pas mis en boutique, attends. Il y a une nouveauté, mais... elle est où, la nouveauté? Elle va arriver, attends, je vais te la chercher. La petite gamme de LED ventilée. Tout type de modèle, pour tout type de véhicule. Donc, ça, c'est pas moi qui fais ça, normalement, mais je vais aider mon collègue, parce qu'il a pas fait le... Clébar. Médium, ça sert à rien de mettre une harde. Que de la médium. Ça, pareil, il nous a sauvé des situations. Ça, c'est pour les poils de chien. Donc ça, c'est très très bien. Le prix était dérisoire. Ça tient, t'as vu combien de temps on l'a? Ouais, et franchement, ça... ça va être raison de plus pour en acheter un nouveau. Voilà, on va en acheter un nouveau, tu vois. Voilà. Toled a du stock, il n'y a pas de souci. Voilà, mise en rayon en direct. Et, mais voilà, ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir quand même. Tu kiffes, hein, la mise en rayon. Ouais, de ouf. Bon, sinon... tu nous fais un tuto lavage du vendredi soir? Non, pas tuto lavage, mais on peut voir qu'elle est sale. Et pour l'instant, la céramique, elle fait le job. D'ailleurs. Et un mois, tu fais 3 semaines, un mois, ouais. Voilà, bah elle va être plus sale, donc elle fait des nappes d'eau. Mais dès que je vais la nettoyer, d'ailleurs. Non, hein. C'est bon, sur les jantes, ça fait toujours... sachant que je sais pas, ils ont pas été nettoyés. Non, ça fait le boulot, hein. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien? J'aime bien les vendredis soirs. C'est pas mal quand même. Je suis étonné de... ça fait le job. Sachant que là, elle est sale. Oui, mais là, c'est juste un petit coup de rafraîchissement. On va mettre l'eau osmosée direct parce que je veux pas avoir le temps de la laver. Ça m'étonnerait. Osmosée? Vas-y. C'est parti. C'est la journée smart, t'as vu? Ouais, t'as vu. Incroyable. Ça. Il manque que la mienne. La mienne, elle revient demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez que de temps en temps, je vous présente des petits trucs, même si c'est pas mon domaine. Comme j'ai dit, c'est John qui le fait très bien. Et lui a plus l'habitude. Mais voilà, ça m'a... en fait, c'est un produit que j'ai... à l'époque, voilà, c'était révolutionnaire. Fou, je le connaissais. Voilà, on a connu ça. Mais moi, je l'utilisais pour les taches de goudron. Tu vois, c'est pas pour. Oui. C'est comme l'Ajax pour les vitres. Voilà, c'est pareil. Mais c'est ça. Et j'utilisais l'anticalque pour le calcaire à l'intérieur du capot. Oui, ça c'est bien. Ça, c'est une petite info. Oui, c'est bien sûr que c'est des petits trucs. C'est comme l'Ajax de vitres, ça va marcher, mais tu sais, sur un cristal vitre ou un clarifié de ça, tu vas avoir de l'alcool dedans, donc ça va être... tu vois, il y a quand même ces raisons, il y a quand même ces trucs. Donc c'est pas pour rien qu'il y ait des produits de detailing, qu'il y ait des produits de nettoyage, ou t'as des produits de cuisine. C'est ça. C'est pas avec une patate, tu vas pas nettoyer, même si tu peux nettoyer des joints. Tu sais, il y a des astuces comme ça de grand-mère. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé et d'activer la cloche des notifications. C'est gratuit. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas, la maniaque n'est jamais finie. Allez, ciao, ciao.